Skyrock. Ce soir, Planète Rap Soprano. Passez une bonne soirée, bienvenue sur Skyrock, c'est déjà la dernière de la semaine. Ah ouais, on a rigolé. C'est passé vite, hein, c'est marré cette semaine. Ah ouais, franchement. Ouais. On a vu l'allumette, papy. Salut à tout le monde, salut. Bienvenue salut. Soprano, bienvenue à Zach et Diego. Merci. Zach et Diego sont là aussi. Ils sont là aussi. Eh oui, ils sont là aussi. Carlton est dans la maison. Mister Carlton est dans la maison. Jaresma est derrière la vitre du vaisseau. Ouais. Le compo de Chimbo. Je sais pas. Et on fait une grosse pensée pour Florian Rossi, oui. Pegas et Monsieur Carlos. Ils seront sur la tournée, évidemment. Avec toi sur la tournée. Yes, ils ont produit pas mal de sons dans l'album. Voilà. Et ils font partie de l'équipage des Chasseurs d'Étoiles. Voilà, vous êtes partis tous ensemble, loin, pour préparer cet album Chasseurs d'Étoiles qui est dispo depuis une semaine. C'est ça. Premier bilan après une semaine. Non, ça se passe bien. Plutôt content, ça. Oui, ça se passe bien, on est content. Ça se passe très bien. Moi, je voulais que les quarantenaires, ils aient leurs morceaux. Les gens qui aiment le rap, ils ont leurs morceaux. Je voulais que, comment ça s'appelle, les gens qui aiment les textes, il y a des morceaux aussi comme ça. Ceux qui veulent nous voir en concert, il y a les morceaux en concert. Ceux qui veulent des morceaux un peu plus touchants, il y en a aussi. Donc, je suis super content des retours. On le voit là et on continue. On se régale. Voilà, on se régale cette semaine. On attend les concerts. Et puis on va vous gâter encore ce soir. Hier, il y a 10 pères qui sont partis ce soir. Oh, il m'a gâté. Ce soir, 10 pères vont encore repartir. Les pères, alors, que tu as designé avec le coq sportif. C'est ça. Soprano, chasseur d'étoiles. Et même la box, elle est jolie. Enfin, elle est belle, hein. La boîte, tu ouvres, t'as les étoiles à l'intérieur. Je vous la montre pour ceux qui ont les images, mais sinon je vous la décris pour ceux qui n'écoutent que la radio. Il y a les chaussures, évidemment, qui vont avec. Moi, j'ai noir, mais il paraît qu'il y en a en blanc aussi, c'est ça, hein, c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, c'est la tenue qui va avec. C'est la tenue. C'est la tenue qu'on a sur nos clips et qu'on va avoir sur scène. On a fait un travail avec eux pendant un an. Un an à travailler sur mesure tous les trucs pour que ça fasse un peu Star Trek et ça puisse être aussi des trucs que tu peux mettre tous les jours. Alors une question, il y aura un tirage au sort encore ce soir à partir de 21h, les noms seront mis sur les réseaux sociaux, les personnes qui vont repartir avec leur père. Il y a 10 pères encore ce soir. 10 pères, papa, 10 pères. Pas une, je voulais deux, te poser une question, oui. Fred. C'est que du 44 ou... Non, c'est les miennes, 44. Ça va, je voulais savoir. Non, je voulais savoir. Vous allez mettre votre taille, évidemment. Vous allez répondre avec le hashtag Soprano sur Skyrock, sur Twitter, par exemple. Vous allez évidemment suivre le compte Planète Rap. Il y a une question, il faut y répondre avant 21h. Il y aura un tirage au sort à partir de 21h. Quelle est la première date de Sopra et dans quel stade? C'est au mois de juin. C'est un peu dur, lui. Ça dépend, hein. C'est un peu dur. Pourquoi? Ça dépend. Attends. Ça dépend. Ça veut dire quelle date? Le prochain concert ou mon lui? Non, date. Stade, papy. Ah oui, mais alors attends, parce que Fab, il me précise, il me dit, mais en France. Parce que la première date, elle est en Suisse, les gars. Ah, voilà. La première date, c'est le 4 juin. C'est un piège. Ah, ok, donc c'est un piège. Donc ça, on vous le dit. Alors ça, le 4 juin, c'est à Lausanne, c'est pas celle-ci. Voilà, la première date, le premier stade. Voilà. En France. Voilà. Parce que Lausanne, c'est le stade aussi. Mais je sais, mais ils m'ont dit. Mais je sais pas, ils aiment pas les Suisses. Je sais pas ce que vous avez contre les Suisses, moi j'aurais dit 4 juin. Mais bon, c'est pas grave, donc ok. On pense à nos amis suisses. On adore les Suisses, bien sûr. 4 juin, aller faire la fête à Lausanne aussi. Mais la première date en France métropolitaine dans un stade. Yes. En 2022. On va voir. Quelle est cette date et dans quel stade? Dans quelle ville donc? Vous balancez avec le hashtag Soprano sur Skyrock et vous aurez cette magnifique paire de chaussures. Il y en a 10 à choper. N'hésitez pas. Hop, elles sont là. C'est les pompes chasseurs d'étoiles. Yes. On peut attaquer ce Planète Rap? Allez, on y go! On attaque direct avec le Planète Rap, le Planète Mars. Allez, ok. Direct. Alors allons-y avec Alonso, avec Jules, avec SCH. On allez, l'allumette, papy, l'allumette. C'est l'allumette, là. Debout, papy, debout. C'est le bâton de dynamite, là. Tu veux ma ça, ça me fait la queue. Extraterrestre comme Migue 2. Si tu me touches, frère, fais un vœu. Que des herbivores sortent le feu. Le sang ici est blanc et bleu. On craint des guns ou à part Dieu. Ici ça bibi comme les Shelby. Genre le débit, le croyez bi. Mars et bébé, ça fait tébé. Comme au Dibi, mais des pépites comme la newbie. Bébé, bébé. Floribéry, Ravanelli. Dans le Hazy, dans le Gary. Y'a les outils pour te bim bim. Que tes bras longs comme Dazim. Comme Dibi, bébé, bébé.
C'est l'OVNI, c'est l'indépendance. Je mets les bras écartés quand je danse. Tu verras nos têtes dans les tendances. Un 3 sur l'étendard, ils s'en prendront de la sentence. Je suis avec les deux S et le A. Ouais, c'est Marseille, bébé, t'inquiète, ma race, ça bouge pas ici. Ça sort le machin, gros, pour des embrouillades de cas. On est à 4 sur le T-Max, quoi, on déguste pas. Comment ça parle, ça fait des débats. Mais n'écoutez pas, coup de batte, y'a des hauts débats. Critiquer au départ, ça dépend, mais m'embêtez pas où on se fait RDV. Ouais, papa, tu me reconnais pas sur le XADV. On a le soleil, l'étoile et la playa. Oh là là là. On vient des cités d'or comme les Mayas. Oh là là là. Oh là là. C'est Marseille, Magaté, sa mère Dexter. Quartier sud, quartier nord, Charcler et Carter, y'a que des experts. Roue arrière de David à l'escale, esquive les barrages, esquive la banale. Faut habiter vers Perrier comme les petits blindés qui tournent sur Paname. La clé du RS dans le jean, on joue l'attaque par le repli. Mentalité prince de la ville, et je m'arrache quand le sac est rempli. Oh gang gang et c'est mortel, Rolling Stones, guitare fière l'hôtel. Y'a le Gilles A et les deux S. Cramé comme la plaque 13. Fais pas le fou, fais pas de grands gestes, pequeño. On baisse tout dans le Audi RS, pequeño. Sur une roue, on te met le GS, qui a reconnu la test. On est penché sur la gineste, pequeño. Un pétou, on met tout. On voit tout, même les ripoux. Tu ris de nous, mais la route tourne. La vie est courte, on leur prend tout, on arrache tout. Marseille, terre, terre. Les gendarmes sont en hélicoptère. Tu trembles devant la cage, on te transfère. Pas les couilles, c'est le club à mon père. Y'a R sans R. Y'a des légendes et beaucoup de faux gangsters. On fait du cash, on fait vibrer la banquière. Des beaux mètres jusqu'à Nanterre. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met le feu. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met le feu. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met le feu. Les Marseillais. Voilà, avec à l'instant Alonso, Jules et le SCH qui est présent également sur ce morceau, c'est dispo sur l'album. Qu'est-ce que j'entends ? C'est toi, Diego, qu'est-ce que tu fais ? Ça sort dans le téléphone, je stream, papy, je stream. Ah, tu stream fort. Le Planète Rap Chasseur d'Étoiles sur Skyrock. Je rappelle aussi que ce soir, il y a Chasseur d'Étoiles à la télé. Ah oui, tout à l'heure, à pas louper. On va voir notre atterrissage, comment s'est passé notre atterrissage, voilà, sur TF1, tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà. Putain, j'ai la pression. C'est beau quand même, t'imagines un show sur TF1. Ouais, c'est un truc. Sopra. J'avoue, j'ai la pression. Ouais, c'est. Ton show à toi ? Ouais, quand même, j'avoue que c'est fou. Même moi qui. Tu as vu, genre, je voyais le truc. Et on se dit, on a une émission carrément sur TF1. J'imagine même pas lui comment ça doit être dans sa tête. C'est un truc de malade. Tout à l'heure, voilà, on va voir notre atterrissage, tout un concept par rapport à l'album devant des millions de personnes. C'est un truc de fou. Voilà, c'est à vivre tout à l'heure sur Skyrock. Et nous avons par téléphone tout de suite, je crois, des surprises. Enfin, qui n'ont plus des surprises, mais qui sont en tout cas des Marseillais a priori. Tiens, dis allô, tu vas voir. Allô. Tu vas se reconnaître les voix. Ouais. Allô. Donc, après, allô. Il y a le J. Ah, il y a le J, il y a Jules. Il y a le A. Il y a Alonso. Ça va ou quoi, le frérot ? Ça va, hein ? Tranquillou, vous êtes à l'étage, là. Je sens l'eau. C'est quoi l'étage ? C'est quoi direct. C'est quoi l'étage ? Là, je sais pas, parce qu'à l'étage, il y a beaucoup de studios. Dans le J, il y a l'étage, mais tant je l'ai même pas vu. Ah ouais, ça veut dire que toi, tu es à l'étage, et lui, il est à l'étage, vous vous êtes même pas vu, peut-être. Je crois que tu es là. Ma mère. Le gîte, tu es là, je suis là, ma gâche. La vie de ma mère, je suis là. Ils sont dans le même endroit. Je suis là aussi, ma gâche. Mais vous êtes au même endroit, les gars. Ma mère, que je suis là. C'est en carrément avec Nico, moi. Je suis avec Nico. Allez, je suis en bas et cacou. vas-y, descends ou je monte. Vas-y, allez, les gars, sont en studio au même endroit. Au même endroit, mais dans des studios différents. Eh oui, ouais, on a fait des studios, on enregistrait les 13 organisés.
Il y a nos mixeurs, il y a nos compositeurs, il y a tout le monde. Il y a 6 studios. Six studios. Et c'est le Clairefontaine du rap marseillais. C'est le Clairefontaine du rap marseillais. Alors, petite question, moi qui aime bien tout savoir, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce que vous faites là-bas en ce moment? Jules n'a pas le droit de parler, mais Alan. Pourquoi Jules, il ne peut pas parler? Il ne peut pas parler. Pourquoi le J ne peut pas parler? C'est top secret. Moi, je suis un kiffeur de musique. C'est-à-dire, à chaque fois que j'entends une instru, je rentre dans le studio pour la fracasser. Et merci. Et je confirme, ça fracasse. Hein. Voilà. Mais Jules, tu me connais, moi j'aime bien savoir, qu'est-ce que vous faites en ce moment là à Marseille? Qu'est-ce qui se passe? Il fait du comme d'habitude. Marseille, en ce moment, tu le sais, nous, ça job, hein, on est là en job. Bah on job, enfin, la dernière fois que je suis venu, c'était Joby Joba dans la piscine quand même. Donc là c'est quand ça, tu connais, c'est quand on fait la chose, mais là la chose est en train de se faire. Très voilà. Bien. A priori, la chose ne devrait pas tarder à débarquer. Voilà. On va pas en dire tout cas, plus. Pour l'instant, grosse porte à Opéro Sopra, son album. Exactement. Merci, mon frère. Allez, tout chercher ça, les frangins. Fort. Ouais, ils sont en train de bosser, les frérots. Ouais, ça bosse dur. Ils sont en train de bosser. Même le S, là, il est en train de tourner, là, en même temps. Donc, tout le monde est en train de bosser. Tout le monde est en train de bosser. Toutes les lettres. Bon. S, le A, le G. L'alphabet qui chope. Ah ouais, tout le monde est en train de bosser. Tout l'alphabet est en train de bosser. Tout l'alphabet. Et dans le même studio, mais ils se croisent pas. Donc, ils savent un peu. Mais c'est énorme. Je savais pas qu'il était là. Eh ben, il est là. Ok. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, les gars, parce qu'on va vous laisser donc bosser sur plein de projets qu'on attend avec impatience. Voilà, on se voit bientôt, les frérots. J'espère vous voir très vite, nous aussi, à Marseille. On se voit vite. On a droit à 2 stades Vélodrome. Il y a le stade de Jules, le stade de Sopra. On a hâte. C'est ça. Voilà, 2022, c'est vrai qu'il y a le stade Vélodrome de Jules qui a été décalé aussi, on l'a dit. Et puis il y a le tien aussi. Voilà, ça veut dire qu'il commence. Voilà, le J, il commence. Je reprends le relais après. C'est dans la même semaine, un truc comme ça. Voilà. Ouais, je crois que ça va péter fort. Ça va péter très fort. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Vas-y, grosse force, frérot. Ciao. Merci, frérot. Merci. Allons, dans de suite. Hein. Allez, à de suite, frérot. Vas-y, descends. Allez, il descend. Ciao. Merci à vous deux en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà, incroyable. Voilà, on peut une dédicace au S qui est en train de tourner bien en sûr. Ce moment. Je suis sûr, après, il va nous envoyer un message. Après, il va dire oh, ça y est, c'est bon. L'émission est finie. Voilà. L'émission, mais ça fait plaisir en tout cas. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. De les avoir eu dans ce studio en train de taffer dur. Et puis, on l'a dit, voilà, que ce soit Alonso. Alors, Alonso est. Plus rien à dire sur Alonso, hein. C'est le frangin, c'est la famille. Chaque fois qu'il y a un album, je sors un album, il y a toujours un membre des Psychiatres. L'album d'avant, c'était Vince sur Coach. Et là, c'est Alonso, bien sûr, Planète Mars 2021. Il y a toujours un membre des Psychiatres de la rime. Après, le J. Et puis, Jules, c'est quand même fou aussi, Jules. T'as vu, dès qu'il sort un projet, c'est un truc de dingue. C'est le numéro un. On était cette semaine en train de faire une interview avec des gens qui n'étaient aucun rapport avec l'urbain. Et ils étaient là, ils me parlaient de Jules, faisaient le signe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu sais que le signe est partout. T'as vu d'ailleurs, parfois, t'as des images. Oui. Là, il y a des manifs, des trucs. T'as des mecs qui font toujours le signe de Jules qui a pas. C'est devenu un truc. Même ils savent peut-être des fois pas ce que c'est, mais ils le font quand même. Lui, c'est le numéro 1. C'est rentré dans le corps. Et le S, ben voilà, c'est le personnage avec la voix, le flow, l'attitude. La plume. Voilà. Et encore, on aurait pu appeler Naps, on aurait appelé Koffs, on aurait appelé Lam, Stabichi. Il y en avait trop. Mais voilà, là, on a voulu représenter les grands frères Ayam. On leur fait une grosse dédicace et une grosse pensée à Troisième Œil, FF, qui nous ont donné la chance de pouvoir tous les groupes de Marseille être présents aujourd'hui. Bah, c'est vrai que tu l'as raconté, là, je disais aussi l'interview qu'il y a eu dans Le Parisien, où tu étais quand même en couverture du Parisien. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Et où tu racontais, c'est vrai qu'Ayam, même au tout début, ils ont hypothéqué leur maison pour produire l'album de Psychiatre, en tout cas, c'est ça. En fait, ils ont mis tous les moyens possibles pour nous, pour Chien de Paille, tous les artistes qui étaient signés chez 361 Records. C'était le label d'Ayam à l'époque. Ouais. Voilà. Et ils nous ont donné notre chance. Ils ont, alors que c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de maison de disques qui pouvait nous signer, qui voulait, je sais pas. Mais en tout cas, eux, ils se sont dit, nous, on croit en vous, on y va. Et du coup, aujourd'hui, je suis devant toi. Le premier Planète Rap que j'ai fait, c'était avec eux. C'est vrai. Voilà, donc là, on est là et ça, c'est cool. C'est fou, ça. Voilà. Fred, il était tout beau, tout maigre. Et alors, je suis toujours aussi beau.
Ça, je sais pas, mais bon. Ouais. Regarde celui-ci. Passons à autre chose. Mais bon, on va passer à autre chose. Tiens, on va remettre un morceau. On l'a mis hier, puisqu'on l'avait hier soir aussi en ligne avec nous. Ouais. C'est le morceau avec Solar. Le titre qui s'appelle Le Grand Bleu. Yes, papa. Et c'est extrait, évidemment, de Chasseur d'étoiles. Ses amis l'appellent Phil, naufragé d'un amour impossible, plongé dans l'ivresse pour mieux noyer son idylle. Il avait jeté l'ancre sur l'île de son pessimisme, persuadé que Cupidon ne l'aurait plus pour cible. Mais c'est mal connaître les vents marins. Venu de l'est, une sirène chanta son chagrin. Son regard était d'un bleu océanique. Au fond, on y voyait les carcasses de plusieurs Titanics. Mais pour ses yeux, il prit la mer, brandit les tempêtes, un pirate à la conquête, un trésor que même les corsaires n'ont jamais pu piller. En est le prix et le mystère des plus belles pierres. Contre vents et marées, il mène sa barque malgré les vagues. Moments de vie, il rêve d'amarrer sur le port de cet amour insensé. Malgré le danger, il rêve de plonger dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux, dans les abysses d'un regard antarctique. Recherche d'un amour chimérique. Quoi qu'ils disent, il est pris dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux. Il trinque à l'amour en buvant la tasse, quitte à ne plus remonter à la surface de ce grand bleu. Soprano, j'en tremble. Elle est lestée dans le grand bleu, dans des fonds marins, attachée par une sangle. C'est une princesse sans le lys et sans le semble, d'essence ordinaire, elle est super, il me semble. Lui fait le mat à la tête, il est dans la délinquance, elle veut de la délicatesse. Puis dans la vade de l'époque, il porte un Glock non-stop. Qu'importe, l'Odyssée ne sera pas Pénélope. Non, elle lui a parlé avec loyauté, a révélé en lui une sorte de royauté. Coup de chance ou de hasard, seul Poséidon sait, mais de tout son gang était noyauté. Le juge les condamne à s'entendre, car les contraires s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. J'ai saisi le sens de cette sentence insensée. Grâce à sa clémence, il rêve de plonger dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux, dans les abysses d'un regard antarctique, à la recherche d'un amour chimérique. Quoi qu'ils disent, il est pris dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux. Il trinque à l'amour en buvant la tasse, quitte à ne plus remonter à la surface. L'homme qui prend la mer, mais ses grands yeux bleus. Elle dessine des arcs-en-ciel sur ses tas de bleus. Elle est le tsunami de son cœur en feu. Pour cet amour aride, dans ses yeux il pleut. Elle peut être le briquet dans la guerre du feu. Faire d'octobre rouge juste une ère de jeu. Et que le casting vu dans Rambo 2 rende les armes à ses grands yeux bleus. Soprano et Solar à l'instant, le grand bleu sur Skyrock dans Planète Rap entre 20h et 21h. Soprano, nous allons passer maintenant à l'interview Chronos. Aha. Une vingtaine de questions, tu dois répondre le plus rapidement possible, puisqu'il y a 10 albums si tu réponds à toutes les questions, sinon j'en enlèverai forcément. Ouais. C'est parti, coup d'envoi. Vas-y, sur quel album? C'est les miens? Non, c'est une question générale. Allez, vas-y. Allez, on y va. Let's go! L'interview Chronos. C'est parti pour 2 minutes. 2 minutes pour répondre à une vingtaine de questions. L'album qui t'a donné envie de faire du rap? Snoop. En une phrase, ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir, quand j'ai découvert Michael Jackson à la télé. Le syndrome de la page blanche, ça t'arrive souvent? Surtout à la période de la colombe et le corbeau. Ta solution quand tu manques d'inspiration, justement? Ma solution, c'est que j'appelle mes collègues, on rigole un peu, on fait autre chose. La recette pour tenir le rythme de la tournée? Je dors, beaucoup de siestes, beaucoup de siestes. Tu peux passer la journée avec la personnalité de ton choix.
qui tu choisis? Patrick Fiori, rien que tu rigoles avec lui. Il est fou complet. La pire chose quand t'es connu? C'est que les gens, ils inventent des vies. Diego, c'est encore toi. Désolé. Eh oui. Un truc auquel tu ne t'es jamais habitué, même après quasiment 15 ans de carrière solo? Qu'on connaisse ma musique. Le cadeau le plus bizarre que tu as reçu d'un fan ou d'une femme? Qu'est-ce que j'ai reçu de bizarre? Non, jamais de tout. Poupée vaudou. Ah, mais il y a des années, oui, c'est vrai. Il y a des années. Poupée vaudou. Ah oui? Un concert psychiatre, ouais. Ah, super. La pire remarque qu'on puisse te faire sur ta musique? Que c'est pas travaillé. Tu dis quoi aux gens qui disent que tu ne fais plus du rap? Je leur dis écoutez Bruce Lee. Si tu avais dû choisir un autre nom de scène, ça aurait été quoi? Saïd. Un mot pour décrire ce que tu ressens quand t'es sur scène? La folie. Faire un morceau uniquement en anglais, tu pourrais? Jamais, j'arrive pas. Je fais un anglais trop marseillais, j'arrive pas. Un métier que tu aurais pu faire si tu n'étais pas rappeur? Informaticien. Quoi de prévu après l'album? Et après la tournée surtout? Prochain album. Qui s'appelle? Ah, ça, je peux pas le dire. T'as été bon. On a tout répondu. Non, il en reste deux. Il en restait deux. Parce que tu. Il y a eu le moment du stream là-bas, c'est pour ça. C'est pas grave, ça fait quand même. On est parti sur 10 albums, j'en enlève deux, donc ça fait 8 albums à gagner, c'est parfait. Oh. Voilà, très bien, 8 albums. Les deux autres, ils auront l'acheté encore. Et ben voilà, allez, vous envoyez un petit message, je veux l'album de Sopra, pareil, avec le hashtag Soprano sur Skyrock, vous partirez avec votre album. On va revenir dans un instant. Messieurs, on balancera un morceau qui s'appelle Racine aussi. Oui. On en parlera dans quelques minutes de ce morceau. Yes. Ne bougez pas, c'est la suite du Planète Rap de Sopra juste après. Planète Rap. Journal télévisé. Je suis fatigué. Les fantômes du passé continuent de te hanter. Mon amour, Africa, mon amour, je te vois pleurer tes enfants du monde entier, Africa. Mon amour, Africa, mon amour, j'ai le cœur blessé, car rien n'a vraiment changé. Le cœur et les yeux ouverts, j'aimerais vivre ce rêve où l'égalité n'est pas qu'un mot chez certains hommes de loi. Vivre ce rêve éveillé où je pourrais dire à mes trois bébés que leur couleur de peau ne fera jamais de nez proie. Mais je suis terrifié. Je suis terrifié. Les horreurs du passé sont toujours d'actualité. Mon amour, Africa, mon amour, je te vois pleurer tes enfants du monde entier, Africa. Mon amour, Africa, mon amour, j'ai le cœur blessé, car rien n'a vraiment changé. Mon amour, je te vois pleurer.
ce morceau qui s'appelle Racine à l'instant. Yes, composé à la guitare, monsieur Florian Rossi, monsieur Pégase. Ça, c'est important aussi, pareil, ça, c'est les genres de messages que t'aimes bien faire passer aussi, voilà. De... Ouais, en fait, je voulais faire un son où on a l'impression qu'on est dans un village en Afrique. Il y a un côté d'ailleurs Amadou et Mariam, j'ai Il y a un petit côté Amadou et Mariam, ouais. Voilà, c'est ce que je voulais un peu, cette ambiance-là, pour que je puisse dire que, voilà, avec tout ce qui se passe encore aux États-Unis depuis George Floyd, j'ai l'impression qu'on est encore en train de vivre l'époque de l'esclavage, donc c'est un peu compliqué parce que je me dis mes enfants ils vont encore vivre ça, je me dis ça me fait un peu chier, voilà, c'est un peu le morceau que j'ai écrit. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que tu collabores et que tu parles avec l'Afrique. Je me souviens du morceau avec Tiken Jaffa Coli, on a fait un morceau avec incroyable. Tiken, même Amadou et Mariam, Amadou et Mariam, fait, oui, on avait fait, mais Tiken on en a fait deux même. Ça c'est mon grand j'adorais frère, c'était Ouvrir les frontières. Ouais, Ouvrir les frontières, ça c'était magnifique, ce titre est toujours d'actu d'ailleurs quelque part. Ah oui, et toujours plus, ouais. Il est toujours d'actu et encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression d'ailleurs. En Algérie, j'ai l'impression qu'il va y être pendant un petit moment encore, malheureusement. Soprano avec nous tous les soirs de la semaine. Ce soir, c'est la dernière dans Planète Rap. Et ceux qui viennent rapper, ceux qui viennent chanter dans l'émission ce soir, je te présente Elsa. Déjà, on va essayer d'être galant un petit peu. Salut. Comment ça va, Elsa ? Bien, et vous ? Tu nous viens d'où, toi, Elsa ? De Bourges. De Bourges. Et tu es avec DRS, qui est là aussi avec nous. DRS qui lui vient. Moi, je viens de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, donc il y a une connexion entre Bourges et Mantes-la-Jolie. Improbable. Incroyable. Ça va bien? Tous les deux en pleine tranquille, forme? Tranquillement. Un petit mot sur, mais vous avez quoi? Chacun est en solo, vous êtes réunis pour faire un morceau ou ça se passe, vous avez monté un groupe, c'est quoi en fait? Dans la musique, on est en solo, mais on est dans le même label et là, on vient faire un freestyle en gros ensemble. D'accord, donc vous êtes déjà sur un label? Ouais, oui. C'est ça. Donc il y a des choses de dispo qu'on peut, on peut vous suivre où alors? Ouais, on peut nous suivre sur Instagram. Donc moi, toi, c'est DRSOF, tiré du bas. Moi, c'est Elsa Gaïa, tiré du bas. Elsa Gaïa tiré du bas. C'est ça. Et il y a MK qui est là aussi avec producteur. Nous. Le producteur et backer, il fait tout. Sopra, il fait tout, t'as vu? Toi aussi, t'as connu ça les débuts où tout le monde fait tout. Ah oui, oui, où oui. Tout le monde fait tout dans le groupe. Tout le monde... On fait les instruments, on parle, on fait des bacs, on fait tout. Vincenzo qui fait des t-shirts. Voilà. c'est... Toute notre life, ça a été comme ça. C'est ça, hein? Et c'est toujours. Hein, et c'est toujours comme ça, non? Ah ouais. Et en même temps, t'apprends tellement, non? Non, mais oui, c'est le mieux. De ces époques-là où t'apprends, où tu te dis. C'est comme ça qu'on se forge. C'est comme ça qu'on se forge. Bon, ils ont participé en tout cas au freestyle de l'été sur Instagram, l'Instagram de Planète Rap. Plus de 170 000 vues. Aïe, aïe, aïe. 12 000 likes, 5 300 commentaires sur Insta. Oh, aïe, 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 aïe. Eh bien, régalez-nous maintenant, c'est parti en live, on vous écoute. Marché. Bienvenue à vous, merci. DRS et Elsa. Merci. Merci beaucoup. C'est parti. Yeah. Ouais, ouais, Elsa, j'ai. Grosse dédicace à toute la team GS qui nous suivent sur les réseaux, ça fait plaisir. Oui je roule, comme soprano dans la caisse la nuit je roule. Oui je roule, oui je roule, comme soprano dans la caisse la nuit je roule. Je me regarde et je me dis, comment je pars tout ça, les critiques, les haineux, ouais. Je fais que de voir tout ça, maintenant je trace ma vie, ils viennent que par intérêt. Peut-être que je suis naïf, mais faut savoir ce que je vis. Ma vie sur les réseaux, donc j'accepte. Qu'on critique ma vie et je me promène. Pour oublier tout ça, et je m'en vais. Loin de mes problèmes, donc je roule. Donc je roule. Comme soprano dans la caisse la nuit, je roule. Oui, je roule. Oui, je roule. Comme soprano dans la caisse la nuit, je roule. Et ça fait tic, tac. Dans ma tête, je suis telle. Et ça fait tic, tac. Mon cœur est. Tu te rappelles à l'ancienne quand on cabrait en vélo. À l'époque d'expression directe, on écoutait Soprano. Moi je rends hommage aux anciens en reprenant un classique. À l'époque de VF Gang, à mes grands frères de Godot. On n'était pas trop gâtés, dans nos poches un petit gâteau. C'est que la haine on le vit bien, même si le check c'est pas beau. Au début on boycottait, combien m'ont mis sur le côté. Au début ils me critiquaient, maintenant je passe à la radio. Et je ferme les yeux et j'imagine comme
si moi j'avais percé. J'rappais dans le froid, dans la caisse, j'avais les lèvres gercées. Ici c'est Paris, mais gros big up aux frères de Marseille. Si t'aimes bien les footballeurs, j'ai déjà été au Barça. Et Soprano, le refrain, on fait ensemble. J'fais tellement de grâce sur l'instru que maintenant tu m'appelles le sang. Et j'm'attendais pas à ça, j'vois tous les jaloux qui servent. Quand j'demandais des services, pourquoi tout le monde faisait les sons? À la bienne, que Dieu m'éloigne des chiennes. Que Dieu m'éloigne des chiens qui sont là juste parce que ça paye. À la bienne, gros bisous à ma reine. Gros bisous au daron qui est fier que j'passe à l'antenne. On me dit, j'ai une belle plume mais j'ai du mal à m'envoler. Faut que les racistes, gros bisous à tous mes frères sénégalais. Ils ont dit que le rap est mort jusqu'à ce que DRS soit né. J'ai peut-être parlé trop vite, dans moins d'un an c'est mon année. On voit le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs du 7-8, on le fait. Pour les mecs du Valfouré, on le fait. Pour toute la team GS, on le fait. Pour la famille DRS, on le fait. Pour toute la famille Gaïa, on le fait. Ils ont tout déchiré. DRS et Elsa, ou Elsa plutôt, et DRS. À moi, parce qu'en plus, Valfouré, attention, nous, on connaît bien Mantra Jolie. Oui, Mantra Jolie, le 7-8. On connaît beaucoup, beaucoup de monde depuis, ben, Expression Direct, il l'a dit. Ouais. On les connaît depuis des années. Donc, merci pour la dédicace. Merci aussi pour la dédicace. Merci à toi. Des frissons. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Rappelez-nous, est-ce qu'on peut vous suivre, alors, toi, DRS? Alors, moi, DRS off, tiré du bas sur Insta, sur YouTube, c'est Elsa et DRS. En fait, on est sur la même chaîne YouTube. D'accord. Donc, on peut vous retrouver aussi. On peut aussi sur TikTok, Elsa G. En fait, on a tout en commun à part Insta. Très bien. Voilà. Donc, on va vous suivre. Mon Insta, c'est Elsa Gaïa, G-A-Y-A-T, tiré du bas. Elsa Gaïa, merci en tout cas, vous nous avez régalé. Merci, merci. Je suis très touché. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, pour merci bien finir pas. La semaine, tu vois, ils ont fait le cadeau et tout. Pour ils ont déchiré, ils ont travaillé ça et tout. Franchement, ça a commencé avec le petit clin d'œil avec Roule, ça a fini à la bien. Franchement, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est Skyrock. Merci beaucoup. Et c'est le Planète Rap entre 20h et 21h avec Sopra, notre invité. Je crois qu'il y a un autre live aussi maintenant. C'est bien ça, Fab? Un autre live? Yes. Et décidément, on avec enchaîne. Avec le jeune Sekou. Alors, petite présentation, petite présentation. Eh ben, vas-y, représente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as croisé en bas? Je l'ai croisé là. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, j'ai la dalle. J'ai dit, ben bien. C'est ça, ça s'est passé en bas là de la radio? C'est comme ça, juste en bas. Tu sais, moi je suis né avec un ami. Du coup, on est passé comme ça, tu vois. Et du coup, j'ai croisé Soprano. Voilà, je lui ai demandé, et voilà, avec le cœur qu'il a, le bon cœur, mon frère, tu m'as fait monter, et franchement, un grand merci déjà. Il n'y a pas de problème. Alors, petite présentation, où est-ce qu'on peut te suivre, ce que tu fais, s'il y a des morceaux déjà qu'on peut écouter? Moi, je m'appelle Koussé. Koussé, voilà, mais je suis sur Insta, Snap, tout ça, mes réseaux, c'est Koussé officiel, K-O-O-C-E officiel. Et du coup, voilà, ça fait un petit moment que je rappe. J'envoie des petits freestyles sur Instagram, des petites sessions comme ça, et voilà, on essaie de faire monter petit à petit le compte, les trucs, et en tout cas, on va pas lâcher, on est là. Et bon, on va t'écouter surtout maintenant. Ben, y a pas de souci. Alors, vous êtes Là, c'est Gerta, ouais, c'est un frérot à moi. Et bon, bienvenue à toi aussi. T'es dans live aussi? Présente-toi. Ou t'es en accompagné? Je suis venu l'accompagner, je suis venu baquer un peu. Pour l'aider toujours. Il est venu soutenir. Elle est venue soutenir. Parfait. Et c'est ça la famille. Ouais. Je crois que c'est notre ami Carlton qui balance le son. Carlton dans la maison. Yeah. Cas de Koussé. Koussé. Ok. You feel on the beat. Un petit morceau. Yeah. Cas de. Les trappes de Soprano Baba. Yes, la famille. Koussé, K2, tu connais. Ok, écoute. Y'a plus de grands, y'a plus de petits. Une arme à feu se procure à n'importe quel âge. T'aurais déjà zappé beaucoup d'amis proches. Ils t'entendaient ce qui se dit derrière la porte des lâches. Je regrette pas mes années de prison. Ça se trouve dehors, j'serais mort alcoolisé. Tout ce que j'ai bu, de quoi agoniser. On était dans la bus, ça vaut carboniser. Je m'en souviendrai toujours de cette perquisition. Ils ont braqué, poussé ma daronne sur le lit. Assez compté l'enfer et j'espère qu'ils y seront. Bref, je passe à autre chose parce qu'il me reste quelques lignes. On m'a pété en état mort vivant. J'récupère un GT Star aux arrivants. Le temps que j'ai ne m'ai pas lu des mails rosqués.
rentre. Enfermé ou pas, où y'a des sous, je m'y rends. Pas à l'abri de voir dans le checks. Des coups de feu qui font peur aux oiseaux. Une maman qui court au milieu de la cité en espérant que son enfant soit sauf. Des cris, des pleurs, on se remet en question après chaque heure que nous enterrons. Comme une chicha d'écumée pour être fumée uniquement pour faire des ronds. J'ai continué malgré les tempêtes, épreuves que j'ai dû affronter. Sous les intempéries, je me tempère, je fais des choix, j'espère pas me tromper. Trop de rêves qui sont partis trop tôt, les souvenirs ont remplacé les photos. Dans ma cellule, je me sentais claustro, depuis il reste la moitié des poteaux. J'ai continué malgré les tempêtes, des preuves que j'ai dû affronter. Sous les intempéries, je me tempère, je fais des choix, j'espère pas me tromper. Trop de rêves qui sont partis trop tôt, les souvenirs ont remplacé les photos. Dans ma cellule, je me sentais claustro, depuis il reste la moitié des poteaux. Y'a pas que les montagnes qui se croisent pas, y'a aussi tes jambes, sont toujours écartées. Y'a bien longtemps que j'ai capté que la flow est décalqué malgré ça éclaté. Tu fumes gros et t'en veux à tout le monde. Je crois qu'on passe sur toi, t'as tout en des west west. Il te faut une boussole, t'as complètement perdu le nord. Je vois que t'es trop à l'ouest wesh. Va pas les flancer devant l'OPJ, ne jamais capou, obligé de faire le mytho. Même les 6 gros sont au régime, ils bossent tous les jours pour faire partir des kilos. Genre tu parles, pas besoin de m'emballer. Le téléphone il est très bien emballé. C'est le fan papé carbone et bavivelle. Parce que le portique salue le maton sans parler. Je suis pas comme eux et leur pensée chelou. Je vais pas changer pour le buzz et la grosse somme non plus. Tout ce que tu racontes c'est à dormir debout. À force de t'écouter, j'suis devenu somnambule. On a fait des choses à contre-cœur. Prouver ce qu'est une galère que l'on rencontre encore. On se venge sur la vie avec beaucoup de rancœur. Des mecs nous coupent la main juste pour ta montre en or. J'ai continué malgré les tempêtes, des fois que j'ai dû affronter. Sous les intempéries, je me tempère, je fais des choix, j'espère pas me tromper. Trop de rêves qui sont partis trop tôt, les souvenirs ont remplacé les photos. Dans ma cellule, je me sentais claustro, depuis il reste la moitié des poteaux. J'ai continué malgré les tempêtes, des fois que j'ai dû affronter. Sous les intempéries, je me tempère, je fais des choix, j'espère pas me tromper. Trop de rêves qui sont partis trop tôt, les souvenirs ont remplacé les photos. Dans ma cellule, je me sentais claustro, depuis il reste la moitié des poteaux. Yeah. Bah, bah, bah. Planète Trap. Supreme Baba, merci. Lourd, très très lourd, mon Koussé. Très très lourd. Merci. Très 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 lourd. Merci à toi. Très franchement, lourd, mon frérot. Ça m'a fait plaisir. Merci Koussé en tout plaisir. Cas. Voilà. Là ça va tourner là. Là ça va tourner là. Voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre, rappelle, où est-ce qu'on peut te suivre Koussé? Alors on peut me suivre sur Instagram, Koussé officiel. K-O-O-C-E officiel. Et ça balance dessus. Sur Snap aussi, Koussé.gang. Et voilà, de toute façon, il y a les informations sur les réseaux et yes. Petit à petit, on y va. On y comme va. Je t'ai dit hier, on est lancé. Faut pas lâcher. Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Merci parce à toi. Plus, c'est bon. Merci franchement, c'est bon en plus. Franchement, ça déchire. Merci à vous, messieurs, merci d'être passés. Avant de se quitter, avant d'avoir du live avec Sopra dans un instant, on balance un petit coup de dingue. C'est parti. Désolé, oui je suis fou, ma folie c'est ma liberté. Je n'ai pas du tout la...
Dring. Bri. Dring. Bri. À l'ancienne. Avec Soprano, dingue, ce sera dingue aussi tout à l'heure sur TF1, à pas louper. Hein. Ouais, tout à l'heure. Tu vas le faire celui-ci. Oui, c'est sûr. Il y a les morceaux de l'album, il y a les morceaux à l'ancienne. On a fait des anciens morceaux. Et il y a plein de morceaux qu'on reprenne. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Zach et Diego? Là, vous êtes dissipé. C'est la fin de l'émission, je sais, mais vous êtes dissipé. On est que deux, on n'est pas dix. Ouais. Dissipé. Oh là là. Allez les gars, c'est la première fois que Sopra il capte pas. Sopra, tu veux pas rogner ton frangin là, tu non impossible parce que je fais pire que comme pire que moi. J'avoue que je fais pire. Ouais. Tiens, il est cassé. Encore? Mais t'arrêtes pas de. Je sais pas, moi je change de micro. Toi t'es pire que Koba aussi hein. Non c'est bon, ça va. Faut t'avoir à l'œil hein. Ça tient. Carlton est là aussi, on va saluer Carlton qui est là, qui nous régale depuis le début de semaine. Mercredi nous a régalé aussi. Hein. Et merci Fred. Merci pour le mix encore de mercredi. Et nous allons finir avec du live maintenant, si tu es prêt. Yes. Le morceau NKOTB qui veut dire tout simplement New Kids on the Block. New Kids on the Block. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, c'est un groupe hein, dans les années 90. Ouais. Mais le morceau, il a aucun 90, rapport avec 80, le 90, hein, ouais, 90, hein, début 90. Follow. C'est ça. Voilà. Mais c'est un morceau surtout pour les breakers. Voilà, c'est ça. Chris. Voilà. C'est un morceau pour les breakers pour qu'ils puissent breaker dessus, pour faire du juste debout pour ceux qui connaissent ce. Magnifique. Voilà. Et du coup, on leur a fait un petit morceau. J'en profite pour saluer Bruce Ikonji aussi. Je sais pas si tu connais, qui est incroyable. Non. Ah. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Aïe. On est bon. On est les New Kids on the Block. New kid on the block. New kid on the block. New kid on the block. On est les new kid on the block. New kid on the block. Pour tous les breakers. Let's go. On est tous sapés comme à l'époque de Michael Jordan. Tellement rétro qu'on a le streaming dans le Walkman. On est dans le turfu sans la caisse de Marty McFly. Contamine comme l'animal de compagnie de Batman. C'est la zone. On est partout dans le monde, dans le parler, dans la mode. Fais comme nous et t'as la cote. Oui, c'est la zone. On est partout sur les ondes. Fais comme nous et t'as la cote. Monte avec nous si t'es d'accord. Allez, monte. Dans le vaisseau, y'a du monde. Ça décolle. Pour faire trembler le monde. Allez, monte. Si tu veux être des nôtres, on décolle. Vas-y, fais trembler le soleil. Robot, tout le monde est robot, hey. Tout le monde est robot, hey. Step by step, block. Robot, tout le monde est robot, hey. Tout le monde est robot. Dédicace à tous les breakers et tous ceux qui vont être en concert avec nous pour bouger à droite, à gauche. Aïe. Vivement ces dates, vivement à partir du mois de juin. Yes. À pas louper les stades, allez chercher vos places. Je le dis parce qu'il y a déjà pas mal de places qui sont parties. C'est complet, non? Non. Pas loin. Non, mais il faut vraiment se dépêcher parce qu'on se dit, ouais, bon, juin, juillet. C'est vrai que là, en plus, il y a tout ce bordel avec les passes sanitaires, le machin, ça, c'est un vrai bordel en ce moment, je comprends. Mais, franchement. C'est vrai que ça part vite. Franchement, en juin prochain, juin, juillet pour le Stade de France. Ça va vite arriver. Ça va vite arriver. Puis je crois qu'on a tous, après ces périodes, justement, besoin de se retrouver. On a envie de faire la fête, on a envie de sortir, bien sûr. On a tous envie de se retrouver et passer un peu à autre chose. Alors, j'espère, hein, évidemment, qu'au mois de juin, juillet, il y aura de nouveau des confinements, des trucs chelous. J'espère, mais. Ça y est, on est sorti de là. Mais a priori, je pense que voilà, le plus dur a été fait. C'est pas encore fini, hein, c'est pas encore gagné, évidemment, on le voit. Mais je pense qu'en tout cas, juin, juillet, on pourra au moins se réunir, faire la fête ensemble, kiffer.
et toi aussi kiffé parce que voilà, moi, même vous aussi d'ailleurs kiffé aussi. Nous on fait des albums pour aller sur scène, c'est primordial. Moi c'est ma philosophie, faire des albums que ça marche pour qu'on puisse faire des concerts ensemble. Et puis réunir les gens, c'est ça ta force aussi, Soprano. Parce qu'on se rend pas compte, c'est vrai que et puis là attends, c'est vrai qu'on va aussi traverser une année présidentielle machin, on va avoir plein de saloperies, toujours les mêmes trucs, hein, on connaît un peu le programme. Ça a déjà commencé. Depuis un moment immigration, le machin, enfin on connaît. On connaît un peu les genres de trucs où les mecs vont tous se foutre sur la gueule comme d'habitude. Donc voilà, après ces élections, après les présidentielles, on espère que voilà, que ce sera déjà au niveau politique quelque chose de plutôt sympa, plutôt mieux. Ouais, on espère. Et dans tous les cas, l'important c'est qu'on puisse venir en concert et faire la fête, s'amuser. Un peu d'espoir. Et il faut de l'espoir. Ah là, ils l'ont fait en ce moment. Ouais, grave. Et cet album aussi, Chasseur d'étoiles, c'est de l'espoir. Donc allez récupérer l'album de Sopra, allez voir Sopra en tournée. Et avant de se quitter, Sopra, nous allons finir avec quelques petites questions pour toi. Allez, vas-y. Éléonore qui est là, Éléonore de Paris qui a une question. Éléonore, 21 ans, Paris. Bon, est-ce que depuis que tu as commencé, pour toi, c'est toujours la même chose? Est-ce que ça te plaît toujours? Est-ce que tu as envie de changer? Voilà. T'es monotone, c'est horrible. Elle a taillé sa copine. Oh, t'es monotone dans ta question, c'est terrible. Alors, est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais changer? Est-ce que vraiment t'es heureux dans ta vie? Non. Franchement, musicalement, je suis content. On essaie de toujours évoluer, de faire de nouvelles choses. Moi, le défi que je me donne depuis maintenant 10 ans, c'est que chaque fois que je fais un morceau, faut qu'il soit différent, quitte à prendre des risques. Mais comme ça, justement, je m'ennuie pas, je suis pas dégoûté, que je sens que je fais quelque chose de nouveau. Donc, pour l'instant, ça va. Voilà, Éléonore. Nous sommes maintenant avec Riles qui a une question à te poser. Moi, je m'appelle Riles, j'ai 24 ans. Oh, Soprano, pour moi, c'est la chante et tout, hein. Tes problèmes familiaux, tes problèmes sociaux, tout. Soprano, pour moi, c'est un psy. Hein. Il faut qu'il ouvre un cabinet psychologue. Quand est-ce que tu ouvres un cabinet psychologue, Soprano? Ah, c'est la question. Alors Sopra, quand est-ce que le cabinet Soprano ouvre? Il a été ouvert déjà. Mon groupe il s'appelle Psychiatre de la Rive. Mon premier album c'est une psychanalyse sur un divan. Donc ça fait longtemps qu'il est ouvert. Il y avait psychanalyse avant l'album. Avant l'album. Voilà, donc ça fait longtemps qu'il est ouvert. Voilà. Et tout ça pratiquement pas cher hein, par rapport à une thérapie. C'est soit le prix d'un album, soit le prix d'une place de concert. Voilà. Donc, juste pour se faire du bien. Et enfin, on finit avec. Ah, je te dis pas qui c'est, tu vas évidemment reconnaître la voix, ou en tout cas le visage. Sopra, Nino. Alors, petite question pour toi. Est-ce que t'es toujours dans la zone à Marseille? Tu vis encore un peu dans les Bouches-du-Rhône? Ou t'es dans l'espace? On veut savoir où t'es. Nino, bien sûr, incroyable. Il est fou le frère. Ah là là, il est complètement fou. Ben, tu vis où? C'est ça pour résumer. Je suis toujours à Marseille, je reste à Marseille. J'aime trop Marseille. Même en voyageant là dans les étoiles et tout, il y a pas eu un truc qui J'étais connecté avec Marseille tout le temps. Tu savais, il y a une planète qui s'appelle Marseille. Voilà. Ah, la planète Mars. Voilà, on était sur la planète Mars, on restera, on aime trop la ville. On est là-bas. Bon, merci à vous en tout cas pour cette belle semaine. Franchement, c'était un plaisir de vous merci avoir. Merci à toute l'équipe. Franchement, ça fait plaisir de vous revoir et merci Skyrock. Ça fait plaisir. Merci Skyrock. Sopra, à chaque fois je me dis quand je te reçois, parce que maintenant c'est vrai que l'histoire continue depuis tellement longtemps. Je me dis, ça se trouve, c'est peut-être à moi, mon tour, cette fois-ci, peut-être mon dernier planète. Et tu es toujours là. Donc j'espère que je serai là pour le prochain album. Rappelle qui s'appelle le prochain qui arrive là. Ah, la technique, il a été bon. Il a joué avec les sentiments. C'est ma dernière, tu vois. C'est ma dernière, peut-être que tu vas me sortir une petite. Non, on va profiter de Chasseur d'étoiles, la tournée aussi. On est en plein Chasseur d'étoiles. Voilà, Chasseur d'étoiles, la tournée au mois de juin, juillet. Merci, à chaque fois c'est un plaisir. Merci Carlton. Merci toute l'équipe. Merci aussi toute l'équipe Mathéo qui est dans le coin aussi. Merci. Voilà, Mathéo, Léa, une grosse dédicace à mes enfants. Léane, merci. Voilà, une grosse dédicace à toutes nos familles. Il y a à tout Only Pro, à tout Rex 118. Rex 118 derrière nous à fond, franchement. Voilà, à tout Marseille. À tous ceux qui ont participé à mon projet, une grosse dédicace à monsieur Kaku, Amido, Nico, tous ceux qui travaillent sur la logistique de mon album. Et voilà, une spéciale pour Maza Laza. DJ Meuge. Mais j'adore.
voilà, à Jamali et à toutes les Jamal. Ah, j'ai envie d'aller courir avec Jamal. J'ai envie bientôt d'aller courir avec Jamal, faire un semi-marathon avec lui. Tu sais quoi, moi je pense qu'il faut vraiment l'organiser. Mais on va organiser un truc avec une caméra de Sky et tout, un vrai truc, sérieux. On va organiser ça. On finit avec un dernier morceau ou on arrête là? Allez, qu'est-ce que tu veux mettre de l'album? On finit avec un morceau, le Chasseur d'étoiles. Moi j'avais prévu la Boom. Est-ce que tu veux la Boom ou est-ce que tu veux un autre comme morceau? Comme tu veux, vas-y, comme tu veux. Bah, la Boom, allez, la Boom, donne la chorégraphie. Allez, la tout, boom, tu donnes tout pour voilà, terminer, c'est ça? La Boom et après direction TF1. Ah oui. Ah ouais. À pas louper. Et on atterrit, le vaisseau atterrit. A atterri dans les années 80. Voilà. Merci à vous en tout cas l'équipe, c'était un plaisir. Merci à vous. Frédérico. Hey, salut Justine. Salut Abdelkrim. Elle est top ta Boom. Oh merci, t'assure. J'ai invité quelques amis, ça te dérange pas? Non. C'est bon. Sophie qui nous surveille. Profitez des sucreries, y a toujours des bonbons régalades, des frizzipati, des Mars et des Rivers. Il va falloir se dépêcher car l'équipe d'Abdelkrim se rapproche dangereusement du buffet. Bref, la Boom continue avec le disque jockey Carlton au platine. Les garçons, faites pas les timides, choisissez vos partenaires car c'est l'heure du slow.